Il y a quelques heures, l'humoriste a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours pour homicide involontaire et blessures involontaires causées par un conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, conformément à l'annonce faite par le procureur de Melun. Des sources concordantes de BFM TV indiquent que l'artiste a été transféré à l'hôpital de Melun pour la durée de sa garde à vue, qui peut être prolongée jusqu'à 48 heures. L'état de santé de Pierre Palmade ne soulève plus de préoccupations majeures, malgré ses quatre côtes cassées. Il a été autorisé à sortir de l'unité de soins intensifs mardi pour être transféré en chirurgie digestive, dans une autre section de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. De plus, l'acteur est actuellement sous surveillance psychologique. Durant sa période de garde à vue, il sera amené à fournir des explications sur plusieurs points. A-t-il perdu le contrôle de son véhicule? Si tel est le cas, était-ce en raison de sa consommation de cocaïne, comme en témoigne son test positif? A-t-il été distrait par ses passagers, qui ont ensuite pris la fuite? Le véhicule a-t-il connu une panne technique, un dysfonctionnement moteur, ou un pneu qui a éclaté? Obtenir des réponses à ces interrogations sera essentiel pour déterminer les circonstances de l'accident. L'audition du comédien, qui est très attendue par les enquêteurs, devrait permettre de clarifier les circonstances de cet terrible accident de la route qui s'est produit vendredi soir à Villiers-en-Bière, dans le département de Seine-et-Marne. En effet, il a été confirmé que l'humoriste conduisait sous l'emprise de la cocaïne au moment de sa collision avec un autre véhicule, qui a gravement blessé trois personnes. Malheureusement, une femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé dans l'accident, tandis que le conducteur, un homme dans la trentaine, ainsi que son fils de 6 ans, ont subi de multiples opérations.